On capture tous les mobs passifs de Minecraft, c'est la partie 11. Les villageois seront notre cible dans cet épisode et il en existe énormément. 5 types de villageois de base que vous pourrez récupérer dans les villages des 5 biomes suivants. La plaine, le désert, la taïga, la savane et la taïga enneigée. Pour les ramener, ce n'est pas évident. Impossible de les prendre en laisse comme la plupart des mobs. Il va vous falloir utiliser un bateau ou un minecart. Je te conseille de créer un portail du Nether qui relie directement le village jusqu'à ta base par le toit du Nether. Voilà, vous avez vos 5 villageois de base, maintenant les choses vont se compliquer. Il existe 2 villageois supplémentaires qui n'apparaissent pas naturellement, celui de la jungle et celui du marais. Pour les obtenir, il vous faudra reproduire 2 villageois dans un de ces biomes. On vous conseille de trouver un village pas loin d'une jungle ou d'un marais, de transporter 2 villageois et de les reproduire. Une fois que vous avez vos 2 bébés villageois, ramenez-les à la maison et vous aurez les skins de tous les biomes. Mais ce n'est pas fini. Il existe un villageois spécial qui se nomme le marchand ambulant. Il apparaît aléatoirement dans votre monde avec 2 lamas pour te vendre des items nuls à des prix exorbitants. Mais à ce jour, il n'existe aucune méthode pour l'empêcher de disparaître sans commande. Que ce soit avec un M-Tag ou en le mettant dans un bateau, le marchand ambulant disparaîtra au bout d'un certain temps.